Monsieur Ilunga, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Monsieur Ilunga, j'aurais voulu faire réagir concernant... Pardon, j'aurais voulu avoir une réaction de votre part concernant la rencontre qui a eu lieu à Bruxelles entre Monsieur Katumbi et Monsieur Tshisekedi, le président de l'UDPS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Que répondez-vous alors à, par exemple, l'ancien Premier ministre, M. Mozito, qui lui affirme qu'il n'y a pas de différence entre le président Joseph Kabila et l'ex-gouverneur du Katanga, M. Moïse Katumbi? Il a dit dans Jeune Afrique. Mais Monsieur Ilunga, est-ce que vous pensez que parce que vous vous déclarez de l'opposition, vous êtes automatiquement un opposant au pouvoir en place et surtout un pouvoir dont vous avez fait part, vous avez pris part plutôt à la mise en place ou à l'application des décisions, des lois prônées par le chef qui est Joseph Kabila? Est-ce que cela fait de Monsieur Katumbi un opposant juste parce qu'il s'est déclaré désormais opposant à M. Joseph Kabila? Monsieur Ilunga, est-ce que M. Katumbi n'est pas facilement accepté par l'opposition, tout simplement parce qu'il représente une manne financière qui pourrait servir demain à l'opposition congolaise? Des souffrances. Ça, c'est les sommets même des souffrances. Donc, on ne peut pas
lui rester dans un navire qui est en train de couler. Alors, qui n'a pas de capitaine. Alors, une dernière question, Monsieur Ilunga. Est-ce que vous et votre mouvement, l'ARP, serez prêts à soutenir demain le candidat Moïse Katumbi? Nous allons discuter l'intérêt. En fait, nous serons prêts à soutenir l'intérêt de la RDC. Si demain, Moïse représente les intérêts de notre pays et que c'est lui qui incarne les vrais changements, les valeurs morales, intellectuelles, spirituelles et matérielles, nous allons en discuter. S'il faut les soutenir, nous les ferons. Mais s'il n'incarne pas ces valeurs-là, nous ne les soutiendrons pas. Alors, merci beaucoup, M. Ilunga, d'avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt. Au revoir. Merci. M. Kassamba, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes directeur de la chaîne Télé 50 et de la Radio 50 à Kinshasa, mais aussi un communicant du président de la République, M. Joseph Kabila. J'aurais voulu faire réagir M. Kassamba sur la rencontre entre M. Katumbi et M. Tshisekedi. La rencontre a eu lieu à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Écoutez, il n'y a pas, on va dire, une actualité exceptionnelle quand le Congolais se retrouve pour parler de leur pays, de leur situation. Il n'y a aucune actualité particulière. Pour vous, c'est un non-événement. L'actualité, c'est plutôt le dialogue qui doit commencer dans quelques jours, à Kinshasa. Et là, on attend effectivement que l'ensemble de la classe politique, plus la société civile, réponde donc à cet appel du chef de l'État qui va réunir l'ensemble des Congolais pour parler des problèmes du Congo d'une manière beaucoup plus responsable, prospective. Et dans le sens de construire l'avenir. Alors pour vous. Le contact sans être avec n'importe quelle personne, ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Donc pour vous, c'est un non-événement, c'est bien ça? Naturellement, parce que. Encore faut-il qu'une rencontre puisse être basée sur des préoccupations particulières. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a en commun entre. L'ancien gouverneur et le président de l'IPP. Mais nous avons vraiment pas ce qu'il y a en commun. Mais l'ancien Premier ministre Mozito dit la même chose que vous concernant monsieur le président Kabila et l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, en disant qu'il n'y a pas de différence entre Moïse Katumbi et le président Kabila. Ça, c'est l'ancien Premier ministre Mozito qui le dit dans Jeune Afrique. Non, je pense que ça, c'est plutôt. Une maladresse de quelqu'un qui a été Premier ministre de ce pays pendant plusieurs années et dont le bilan est connu de tous. Les Congolais savent que de toute l'histoire du Congo, s'il y en a un qui a été retiré de la signature par son président de la République, c'est bien l'ancien Premier ministre Mozito. S'il y en a un dont la gouvernance posait problème en ayant des situations plus que rocambolesques, c'est bien l'ancien Premier ministre. Ce n'est pas intéressant de vouloir chercher à se védétariser ou trouver une certaine popularité en manquant de respect à son chef. Il faut plutôt avoir la culture du bilan. Et surtout respecter ce qu'on appelle l'institution de la République. Ça, c'est très important. Dans notre histoire, on se rend lorsque on respecte la fonction et on respecte sa propre histoire. Mais c'est malheureux, mais un homme d'État n'est pas comme ça et c'est bien dommage. Alors, Monsieur Kassamba, concernant encore une fois la rencontre Tshisekedi Katumbi, on peut aussi dire que c'est enfin la rencontre des deux grands opposants aujourd'hui qui vont réussir en fait à mettre la machine de l'opposition en route pour barrer la route au projet présidentiel qui serait de modifier la Constitution ou d'œuvrer au glissement. Non, du tout. Je vous signale par
par ailleurs que je ne vois rien de posant à la personne de l'ancien gouverneur. Vous savez, pour devenir un opposant, il faut avoir un background, il faut avoir suffisamment de matière et suffisamment de dossiers pour ne pas dire une certaine idéologie. Je ne vois rien en tout cela. Donc, si c'est pour ratisser large, sans conviction, sans préparation, c'est un peu vite. Le plus important, c'est ce qui va arriver dans quelques jours, le dialogue entre les Congolais. Le plus important, c'est de garder ce qui est à construire. Parce que, encore une fois, je vous ai parlé de la culture du bilan. Il faut que chacun puisse regarder de très près, concrètement, d'où il est venu, qu'est-ce qu'il a pu faire, pour que les résultats, et qu'est-ce qu'il a pu dire pendant tout ce temps qu'il était en gouvernance, comment il a pu fonctionner en respectant la Constitution. Parce que si l'abolissement, c'est bien beaucoup de gens qui ont glissé pendant très longtemps, et à ce moment-là, la Constitution existe toujours. Alors, donc, on ne peut pas faire la même chose que la Constitution existe, alors que quand on glissait soi-même, on ne s'était pas rendu compte. Mais monsieur Kakoumbi. On peut distraire la population avec parfois de l'opportunisme de courte vue. Mais M. Katoumbi représente quand même une manne financière qui pourrait intéresser l'UDPS et permettre enfin à l'UDPS de battre campagne et de réussir peut-être à gagner les élections en 2016. Mais je ne pense pas que l'UDPS, il ne faut pas réduire l'UDPS à un parti politique à la recherche du financement. Et pour faire de la politique au Congo, il n'y a tellement pas besoin de financement. Et je pense que toutes ces personnes qui accourent un peu d'une manière ou d'une autre, c'est pour soutirer un peu de sous à mon ami, l'ancien gouverneur, que j'aime beaucoup. Parce que quand il se rendra compte que tel ou tel a soutiré tel ou tel montant, ça fait un peu trop tard. Mais son frère aussi a fait une expérience malheureuse en la matière depuis le RCD jusqu'à aujourd'hui. Mais le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, si avoir de l'argent pouvait amener quelqu'un à la présidence de la République, Ronald Trump aux États-Unis pourrait être président des États-Unis. C'est l'idéologie plutôt le programme politique, c'est plutôt les convictions. Donc, il ne faut pas réduire la République démocratique du Congo à un pays où la culture du don peut-être classée dans une stratégie politique. À donner un peu de réponse au bateau, c'est pas faire de la politique. Monsieur Kassamba, pour conclure, je voudrais savoir que peut-on attendre alors aujourd'hui du dialogue initié par le président Joseph Kabila. Que peut-on en attendre? D'abord, le dialogue, il est une réponse à la demande de toute la classe politique. Toute la classe politique a toujours sollicité qu'il y ait un dialogue. Même la communauté internationale avait suggéré dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba qu'il y ait la promotion du dialogue. Le chef d'État n'a fait que répondre à ses préoccupations pour permettre de valider les échanges à venir. En 2006, Jean-Pierre Bemba a sorti les armes à Kinshasa ici parce qu'il n'a pas pu accepter la défaite. En 2011, il s'est proclamé président parce qu'il n'y a pas eu un consensus avant d'une manière beaucoup plus pérenne. Cette fois-ci, on n'a pas besoin d'organiser un processus électoral fiché d'avance qui risque de poser des problèmes aux Congolais. C'est pour ça qu'on va se retrouver pour tracer l'avenir avec un bon calendrier, avec de nouveaux textes permettant l'enrôlement des nouveaux majeurs, permettant l'identification des problématiques réelles de notre pays, et puis aller de l'avant. Toute la classe politique responsable se retrouve bientôt là pour parler de ce problème. Et vous verrez que ceux qui sont le plus représentatifs seront là. Mais les autres pourront toujours justifier que les Congos continuent à avancer. Donc pour vous, le dialogue national ne traitera nullement d'un possible modification de la Constitution ou d'une candidature du président Joseph Kabila en 2016. Mais le problème du Congo ne se résume pas au troisième mandat du chef de l'État
Oui, mais les Congolais veulent savoir en 2016. Les Congolais veulent savoir ce qui se passera en 2016. Est-ce que, oui ou non, le président Kabila laissera le pouvoir comme la Constitution le prévoit? Non, monsieur, vous savez très bien que la Constitution que nous avons aujourd'hui, elle découle de belligérants de 2003, 2004, 2005. À Tom City, on a mis en place un texte pour pouvoir confronter les uns les autres. Il faut aujourd'hui qu'on puisse parler, comme beaucoup de pays en Afrique, des vrais problèmes du Congo. La Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, bientôt va proposer une constitution qui va enlever l'ivoirité de la constitution. Le Congo a une constitution qui exclut tout la diaspora, tout ce qui milite à travers le monde pour la démocratie congolaise ne peut pas voter. Il y a beaucoup de dirigeants, y compris même ceux qui sont dans l'opposition, qui ont été élus tel gouverneur, tel député, tel. Ils sont tous des étrangers. Ils ont gouverné dans le mensonge. Pourquoi ne pas mettre en place une constitution qui puisse mettre tout le monde d'accord et avancer? Et cette constitution. Pour dire que nous avons une constitution honnête, une constitution réelle, et qui puisse permettre l'avancement de notre pays. Il faut qu'on puisse parler des vrais problèmes du Congo au lieu de se cacher derrière le pouvoir. Monsieur Katsamba, et cette constitution permettra bien sûr à Monsieur Joseph Kabila de se présenter pour un troisième mandat. Le Congo, ce n'est pas Joseph Kabila, monsieur. Joseph Kabila est le président de la République élu. Il y a eu Kassamourou, il y a eu Mobutu, il y a eu Kabila Père, il y a eu aujourd'hui le roi Joseph Kabila. Mais le Congo est éternel. Il faut que le Congo trouve ses solutions dans ce texte. Okay. On va dire l'avenir du Congo au président de la République qui n'est que le garant de la Constitution pendant le temps qu'il est en train de gérer le pays. Il faut qu'il puisse résoudre le problème du Congo comme il a fait pour la pacification, la réunification, et aussi au niveau des textes. D'accord. Il ne faut pas de s'exprimer comme une question partout à travers le monde. Merci beaucoup, M. Kassamba, d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Rex Kazadi, vous êtes le secrétaire général du BPK. Nous aurons voulu avoir votre ressenti ou votre analyse concernant la rencontre qui a eu lieu à Bruxelles entre le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, et l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Ben, je pense que déjà, depuis plus de un mois, le président élu avait tendu la main à plusieurs acteurs politiques congolais pour un large rassemblement derrière lui pour faire barrage à Joseph Kabila contre un glissement et surtout pour l'empêcher d'effectuer un autre mandat qui serait un mandat illégal. Alors, oui, pour un mandat illégal, mais lorsqu'on voit aujourd'hui que M. Tshisekedi reçoit un proche, puisque c'est ce que a été, pardon, M. Katumbi, un ancien proche de M. Kabila, le président actuel en RDC. Comment pensez-vous que les combattants de l'UDPS peuvent comprendre cette rencontre? Moi, je vous dirais que en politique, on doit se parler. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le fait que Moïse Katumbi a démissionné de son poste de gouverneur, le fait que Moïse Katumbi ait quitté le PPRD, ce sont des signes encourageants. Et nous voulons qu'il y ait un certain nombre d'acteurs politiques congolais qui fassent la même chose. Ça fait plusieurs années que justement les combattants réclamaient et réclament que la majorité de la classe politique congolaise laisse tomber Kabila parce que pour certains, il ne serait pas congolais, pour d'autres, pour affaiblir son pouvoir. Donc, et puis je rappellerai, en ce qui concerne Moïse Katumbi, n'oublions pas que la personne qui a orchestré ça, c'est Kate Bekatoto, et c'est un secret de polichinelle qui est Kate Bekatoto, qui est le grand frère de Moïse Katumbi, et est un proche de l'UDPS, et cela depuis de nombreuses années. Alors, pour vous, quel serait le chemin idéal pour 2016? Ça serait de voir un Etienne Tshisekedi soutenu par Moïse Katumbi et vice-versa également, un Moïse Katumbi soutenu par le président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi? Le chemin idéal,
verra dans le prochain combat que nous avons, qui va être un combat difficile pour obtenir l'impérium et enfin exercer le pouvoir que le peuple congolais lui a donné en 2011. Voilà. Alors, la dernière vidéo de M. Honoré Nguanda parle plutôt d'une manipulation et de la création d'un opposant qui va se faire aimer par la population, comme Mobutu a eu à le faire avec le président de l'UDPS, M. Tshisekedi Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que M. Nguanda est dans le vrai? Moi, je n'ai pas commenté des propos des personnes dont on ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Plusieurs médias nous ont déjà communiqué que cet individu n'existe pas. Donc, à moins qu'il m'apporte la preuve du contraire, je ne sais pas si c'est bel et bien Honoré Nguanda qui a parlé. Hein, donc, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Hein. Le jour où j'aurai la preuve de son existence, je peux commenter ses commentaires. Et puis, à l'heure actuelle, nous parlons des acteurs de terrain, ceux qui sont réellement capables de changer les choses en République démocratique du Congo, et ne sont pas dans le virtuel. Est-ce que M. Rex Kazadi et le BPK seraient prêts demain, en cas d'absence d'un candidat de l'UDPS, à soutenir le candidat Moïse Katumbi? En cas d'absence d'un candidat, c'est une excellente question. Pour l'instant, simplement, il faut vous dire une chose, nous sommes derrière le président élu, et si les choses devaient changer, je pense que ce serait d'un commun accord avec l'UDPS, et pas on ne le fera pas sans les tissépédistes, qui est aussi notre base électorale. Voilà. Merci beaucoup, M. Kazadi. Merci à vous. Monsieur Yves Kissombe, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. J'aurais voulu d'entrée de jeu vous faire réagir concernant la rencontre entre M. Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, et le président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. La rencontre a eu lieu à Bruxelles la semaine dernière. Comment avez-vous perçu cette rencontre, vous qui êtes aujourd'hui de la majorité présidentielle? Roger Moussangi, mais petite correction, je ne suis pas aujourd'hui de la majorité présidentielle. Je sais que les mots ont parfois une portée différente de celle qu'on veut qu'ils aient, mais je ne suis pas aujourd'hui. Je suis de la majorité présidentielle et j'y suis depuis plus longtemps que je n'ai pu être d'un autre parti politique ou d'une autre famille politique. Ça fait 7 ans exactement que je suis à la majorité présidentielle. Parfait. Donc, je crois que vous omettez de citer M. Raphaël Katebe Katoto, qui était à cette, que je sache, hein, je ne sais pas si je me trompe, mais à cette rencontre avec Étienne Tshisekedi. Oui. À mes yeux, ce citoyen congolais, ce papa, comme on dit chez nous, n'est pas moins à signaler que Moïse Katumbi ou Étienne Tshisekedi à cette rencontre. Il n'a pas de considération moindre à se voir attribuer que les autres. Donc, je ne sais pas sur quel plan vous vous basez pour ne pas le citer, mais si sur le plan strictement politique, je ne vois pas ce que l'un pèse plus que l'autre ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que vous avez là, en tout cas en ce qui concerne Étienne Tshisekedi, un baobab de la vie politique, comme on dit chez nous, un monument de la vie, de la scène politique. Naturellement, Moïse Katumbi, qui est arrivé en politique en 2006, l'est beaucoup moins. Ce n'est pas encore, il deviendra peut-être un monument de la vie politique congolaise, mais ça ne l'est pas encore. C'est un acteur local, jusque-là, qui a donc été élu, c'est vrai, député national, mais qui a surtout agi au Katanga. C'est un leader provincial qui a eu à se faire une notoriété, une assise considérable au niveau de la province du Katanga. Mais je ne sais pas si le propos, c'est de me parler de la politique dans l'ex-Katanga, parce que aujourd'hui, vous avez Étienne Tshisekedi, leader national, qui a rencontré un leader local jusqu'à nouvel ordre. Parce que, à ce que je sache,
Maurice Katumbi n'a pas encore créé de parti politique ou ne s'est pas encore présenté comme leader national. Donc, c'est tout ce que je peux faire. Je crois que Étienne Tshisekedi a reçu en audience un responsable provincial du Congo et je ne sais pas ce qu'il y a de particulier à commenter. Monsieur Kisombe, peut-être il y a commenté dans le fait où Monsieur Katumbi, représentant une manne financière très importante, pourrait aider l'UDPS demain à battre campagne et à pouvoir répondre aux exigences d'une campagne en RDC. Bon, je crois que si Monsieur Katumbi a des ambitions, comme on entend dire, hein, je crois que c'est le moment venu que nous pourrons éventuellement faire des analyses, avoir des réactions, mais je ne vais pas lui prêter des intentions qui ne sont peut-être pas les siennes le moment venu. Il a le droit de faire évoluer ses ambitions ou ses projets, donc je ne peux pas à ce stade. Moi, tout ce que je sais, c'est que Moïse Katumbi était du PPRD, il a quitté le PPRD dans une lettre extrêmement critique, hein, pour ne pas dire offensante, envers le pouvoir auquel il a appartenu. Et donc c'était un responsable provincial, et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est là, jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas dire autre chose. Étienne Tshisekedi, leader national, monument de la vie politique congolaise, il a accordé une audience à Moïse Katumbi. Maintenant, la manne financière, je ne connais pas la fortune personnelle de M. Katumbi dont vous parlez, donc je ne peux pas présumer de celle-ci. J'entends dire qu'il a accumulé une fortune considérable, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus. Maintenant, il est libre. S'il veut mettre de l'argent au service d'une cause, parce que c'est ça votre question, je crois que c'est sa plus grande liberté. On peut faire des dons à une cause, on peut contribuer financièrement. Donc ça, je n'y vois absolument pas d'inconvénient. C'est cette démocratie-là dont Étienne Tshisekedi jouit, dont Moïse Katumbi jouit, dont Katebe Katoto jouit aussi, que Joseph Kabila a installé au Congo. Donc, Monsieur Kisombe, je vais vous le rappeler, je crois que Moïse Katumbi a eu plus que moi à souligner les mérites de l'action du président Kabila. Monsieur Kisombe, j'aimerais également vous faire réagir concernant les propos tenus par l'ancien Premier ministre Mozito dans Jeune Afrique, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui entre le président Joseph Kabila et l'ex-gouverneur du Katanga, Monsieur Moïse Katumbi. Bah, écoutez, je n'ai pas lu ou suivi cette déclaration, ce propos d'Adolphe Mozito, mais pour simplement réagir par rapport à la substance de ce que vous dites, quand il dit qu'il n'y a pas de différence, je ne sais pas de quoi il parle. Joseph Kabila est président de la République, Moïse Katumbi ne l'est pas. Moïse Katumbi était de la famille politique du chef de l'État. Comme il l'a lui-même dit à de très nombreuses reprises, c'est par la magnanimité du président de la République, la bienveillance du chef de l'État, qui est revenu au Congo, qu'il a été gouverneur du Katanga avec le soutien indispensable, comme lui-même le disait, du président de la République. Je ne vois pas en quoi ce serait souverain et verchou. On a un leader national, un leader de la plus grande famille politique du pays, c'est Joseph Kabila, qui est président de la République. Je ne sais pas en quoi il serait la même chose que Moïse Katumbi ou moi. Vraiment, je ne vois pas le rapport. Le président de la République est dans l'effectif, dans le réel, et sur ce terrain-là, je ne crois pas que Moïse Katumbi soit comparable sur un plan ou sur un autre. Je ne comprends pas les propos d'Adolphe Mozito. Katumbi, c'est un citoyen congolais, c'est une personnalité congolaise, venue du Katanga, et qui n'a pas encore d'action politique nationale. On a bien compris. Katumbi n'a pas encore d'action politique nationale. Et vous avez en face un président de la République qui est dans une action nationale, j'allais dire, depuis près de 20 ans. Hein, il a été chef d'état-major adjoint de l'armée de terre.
c'était une action de l'armée nationale. Ensuite, il est devenu président de la République. Je ne sais pas, il n'y a pas de commune mesure. On ne peut pas comparer l'action des deux hommes. L'une est éminemment nationale, l'autre est provinciale comme action. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Même s'il a été élu député national, mais vous savez qu'il n'a jamais exercé ce mandat. Je vous remercie beaucoup, M. Kisombe, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, José Moussa. À la prochaine.